Alors, zakat, qu'on a, huwa, zakat, hiya, ruknun min arkan l'islam. Ruknun min arkan l'islam. Le Rasul sallam, il dit, bunya l'islam ala khams. L'islam est construit sur cinq piliers. Shahadatu la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zid, iqamu s-salat, wa ita'u zakat, wa sawmu ramadan, wa hajjul bayt. Ou fil hadith, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lama arsala mu'adh ila l'Yaman, قال يا معاذ إنك ستأتي قوما حديثي العهد بالإسلام من أهل الكتاب حديثي العهد بالإسلام c'est-à-dire tu vas arriver chez des gens hein, qui sont nouvellement convertis à l'islam et ce sont des gens du livre alors أعلمهم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن طاعوك s'ils disent لا إله إلا الله كما سمعت الله s'ils disent لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن طاعوك Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois leur dire, A'limhum, bi'anna Allah farada alayhim khams salawat. Il leur a prescrit cinq prières. Fa'ina ta'awuk, fa'khudh min amwalihim, fa'khudh min aghniyaihim, sadaqatun tarudduha ila fuqara'ihim. S'ils acceptent de dire la ilaha illallah et de faire la prière, il faut que tu leur ordonnes, que tu leur dises qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit une sadaqa. Et là, sadaqa, non, al farad. Une sadaqa tu'khadu min aghniyaihim, qu'on prend chez les riches et qu'on redonne aux pauvres. Min hadha al-hadith, l'ulama qalu bi anna tariku al-zakati, wa alaykum as-salam wa rahmatullah, yakhruju an millati al-islam. C'est quelque chose de très grave, les frères. Anna alladhi la yu'ti al-zakat, alladhi la yu'ti al-zakat, fal-hakim ya'khuduha minhu unwatan. C'est-à-dire, celui qui ne donne pas zakat, le hakim, celui qui ne donne pas zakat, le hakim, yakhudha minnu, de force. Vous avez vu, aujourd'hui, quand quelqu'un, par exemple, il ne paye pas une amende, ou il ne paye pas ses impôts, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un ATD, un avis à tiers détenteur, ou là, on lui fait une saisie sur salaire, on lui saisit sur à la banque, on écrit à la banque, on lui dit ce qu'il a. On bloque et on lui enlève. Zakat, c'est la même chose. Mais il n'y a pas que ça. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il ne sort pas zakat, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, non seulement on va lui prendre zakat, quelqu'un qui a 200 grammes d'or, 1000 grammes min al-dhahab. Combien il sort de zakat sur 200 grammes d'or? 2,5%. Ah, 25 pour 1000. 2,5% sur 200 grammes d'or. Si on considère que le gramme d'or, par exemple, là je dis vraiment par exemple, je ne sais pas à combien il est le gramme d'or aujourd'hui, mais imaginons que le gramme d'or il est à 35 ou à 40 euros, à 35 euros. À 35 euros fois 200, ça fait combien? 35 fois 2, ça fait 70, ça fait 7000 euros. C'est ça, hein? Ça fait 7000 euros. Donc le gars, il doit sortir. Sur 7000 euros, il sort 2,5%. C'est combien 2,5% sur 7000 euros? 10% c'est 700, 5% c'est 350. 175. 175, 175 euros. Donc si quelqu'un a 200 grammes d'or et qu'il n'a pas sorti le zakat, le hakim al-muslim, il n'a pas sorti le zakat, hein? Le hakim al-muslim, il va le faire sortir le zakat, 175 euros, il y a une prime de zakat, zid. Il va lui prendre la moitié, 100 grammes d'or. Monsieur les adjoints. Allez, monsieur les adjoints. Non, 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 non. C'est pas les adjoints. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Wali nisfa mali. » Yani, « Ta'ziran lahu. » Tu vas comprendre. Vous avez vu l'amende, quand elle arrive, tu as fait un excès de vitesse. Quand si tu payes dans les 15 jours ou là dans les 30 jours, c'est combien? 45 euros. Mais si tu ne payes pas dans les 30 jours, elle passe à 65. Bada, si tu ne payes pas, plus tu ne payes pas, plus ça est majoré. Et ça peut arriver de 45 euros, elle peut arriver jusqu'à 300 et quelques. Et bien, zakat, tu ne sors pas zakat. Non seulement le hakim ya'khudhuha minka, il va prendre zakat qui est de, on avait dit, sur 7000 euros, il prend 175 euros. En bas, il va te prendre 3500. 3500 d'amende, allège, parce que tu n'as pas payé zakat. Abu Bakr, il a fait la guerre à ceux qui ne voulaient pas payer zakat. Qadiyya khatira yu al-ikhwa. C'est-à-dire, quelqu'un, li yitkas al-anha, celui qui est maté ou qui est cassé la zakat, le hakim yji yakhudha minhu.
لما يمطل شو بون اي فو با لا سورتير يعني ينكرها هذا يخرج من الاسلام يعني الانسان يفو كو اون ريفليشيس اي كون روفيان او فوندامونتو ايها الاخوه نسينا الزكاه alors que c'est un pilier de l'islam mais vraiment c'est un pilier de l'islam نسينا الزكاه alors قلنا ان الزكاه لا يشترط فيها هل يشترط كما يشترط في الصلاه العقل العقل والبلوغ اسكو العقل والبلوغ تشترط في الزكاه العقل سي لا ريزون والبلوغ سي لا بوبرتي اسكو لا بوبرتي لا ريزون est une condition de zakat oui ou non les frères comme la dernière fois on échange hein parce que comme ça Abdullah faut pas qu'on s'endort hein العقل والبلوغ allez la raison et la puberté est-ce que c'est une condition de zakat نعم لا البلوغ لا والعقل يشترط لا يشترط للبلوغ ولا العقل يعني الانسان المجنون quelqu'un qui est fou et qui a de l'argent on sort sa zakat الموكل عليه il sort sa zakat un petit imaginez un orphelin quelqu'un qui a perdu son père et son père lui a laissé de l'argent donc il est jeune il a moins de 10 ans par exemple il n'a pas atteint la puberté on sort zakat non on sort zakat le mouakil dialo il sort zakat donc fi zakat la yushtaratu la al-aql wa la al-bulugh lakin yushtaratu fi zakat an-nisab wa al-hawl barakallahu fik les conditions de zakat c'est an-nisab wa al-hawl c'est à dire le montant minimum nisab wa al-hawl c'est une année lunaire d'accord النصاب سي كومبيان النصاب النصاب شحال ماشي 4000 اورو لا كومبيان سي با 3000 سي با 4000 كومبيان فوالا سي سكو نافي دي لا ديرنيير فوا 85 غرام دور 85 غرام دور سا في كومبيان يفو ريغاردي لو غرام دور كومبيان ايلي سي ايلي ا 35 سي ايلي ا 35 لو 85 غرام دور Si elle a 35, ça fait combien ? Le calculette ? 35 fois 85, ça fait combien ? Là, 2007 à peu près. 2800 ? Attendez, je vais faire le calcul. 2975, voilà, 3000 euros à peu près. Donc si on a 3000 euros, regardez bien, attention les frères, hein, parce qu'il y a un autre nessab aussi. Hein. Il y a un autre nessab. Le premier nessab, c'est nessab ou dhahab. Si j'ai l'équivalent de 85 grammes d'or, c'est-à-dire 2975, comme vient de dire aujourd'hui, tu regardes le gramme d'or à la valeur d'aujourd'hui. Si j'ai 2975, à peu près 3000 euros, et que dans l'Aliyum al-Hawl, ça fait un an que je les ai, je dois sortir Zakat. C'est combien ? Zakat, je sors 2,5%. 2,5% sur 3000, donc 300, 150, 75 euros. Je sors 75 euros sur 2975, à peu près, hein. 75 euros, un petit peu moins. Mais 75 euros, il y aura des mains. Il y a un autre nessab de la zakat, les houa ou je ne houa. Al-fidha. Al-fidha. Al-fidha, c'est une nessab ou 595 grammes. 595 grammes. Al-fidha. Ou min al-ulama, men yakhoud nasib al-fidha, nessab al-fidha. Ou nessab al-fidha, il est moindre que nessab al-dhahab. Parce que l'argent, il coûte moins cher. On est d'accord. Et 595 grammes, ça fait quoi ? Ça fait à peu près 900 ou 1000 euros, hein ? Ok ? À la kulli hal. Alash, il dit le nisab al-fidha. Il dit comme ça, le pauvre, il a accès tout de suite. Le pauvre, il n'attend pas que moi j'atteigne 3000 euros. Parce que peut-être que moi, je gère mal mon salaire et que je n'atteindrai jamais 3000 euros. J'ai toujours moins de 1000. Donc, le nisab al-fidha, si on considère le nisab al-fidha, hein, on peut considérer que tu dois sortir zakat sur 1000 euros. On part sur nous en France, on part sur un essai de dhahab. Donc on a dit 85 grammes d'or. Zid, il faut qu'il y ait un an. Ok ? Un an. Si je parle au mois lunaire, si je parle au mois solaire, donc j'ai 3000 euros le 1er janvier 2018, j'attends le 1er janvier 2019 et je sors sur 3000 euros, je sors 75 euros. Vous avez vu, hein, zakat, c'est pas. Souvent, les djahlina, des fois, on ignore. Il y a des gens qui donnent 1000 euros à la mosquée. Il n'est pas avare. Alors que sa zakat, c'est peut-être 200 euros, c'est tout. Mais là, il n'y a pas de zakat.
Oui, il y en a qui te disent, moi je fais le hasanat, je fais le sadaqa, je fais... Là, zakat, zakat, les hommes qui ont niya. Aslan, les hommes qui ont niya, les hommes qui ont niya, zakat. Donc on a dit le haoul, on est simple. Alors, on a, j'ai parlé au mois solaire, j'ai parlé en janvier. Si vous calculez au mois solaire, le taux n'est pas de 2,5. Le taux, c'est 2,57. Notez bien, 2,57, mais c'est 2,50. Avec 007, Zayed, correspond à 11 jours de différence. Donc vous prenez le montant et vous multipliez par 2,57%. Et là, vous sortez votre zakat. Mais zakat la tasqat, il y a un des nisab depuis 2001, où je n'ai pas sorti ma zakat, je dois revenir à 2001, et chaque année, je sors zakat. Parce qu'à 2001, chaque année, je sors zakat. C'est très important, hein, faites attention. Alors, on a dit Nisab ou Al-Hawl, Shartain. Ok, Nisab ou Al-Hawl. Une fois que j'ai Zakat, hein, on a parlé de Zakat al-Zuru' avant de passer Zakat al-Zuru'. Imaginez, Mathalen, hein, quelqu'un m'a prêté 2000 euros. Ok, m'a prêté 2000 euros. Et je devais lui rendre le 25 décembre. Ok. Et le 25 décembre, quand j'ai calculé le 25 décembre, j'ai aussi mon anniversaire pour sortir Zakat. Chalatani, 2000. Et moi, j'ai 2500 euros de côté. Donc les 2000 euros, je les ai préparés. Waqt al-Hawl, le jour où l'anniversaire de l'Hawl, où je dois sortir Zakat, j'ai les 2000 euros du frère que je dois lui rendre, et j'ai 2500 euros de côté. Donc j'ai combien ? 4005. Or, c'est l'anniversaire pour que je lui rende son argent. Il a dit, il a 6 mois, et la date anniversaire, c'est le 25 décembre. Par quoi je commence ? Je sors zakat, et après je lui donne son argent. Ou là, je lui donne son argent, et après je sors zakat. Dain, il passe en premier. Ok, Dain, il passe en premier. Mais là, j'ai donné 2000 euros. Il me reste combien ? Et 2005, c'est moi qui connais ça. Combien je sors de zakat ? Zéro. Ok ? C'est simple. Donc, je commence par Dain, je sors Dain, et ensuite, je sors de zakat. Ok ? C'est clair, les frères ? On a parlé de zakat al-zuru', si vous vous souvenez. On a parlé de zakat al-zuru'. Un des zara', par exemple, le bled, j'ai des... Alors, un des malikiya, la ukhriju zakat, je ne sors pas zakat sur ce qui est fruits et légumes. Il n'y a pas de zakat sur ce qui est fruits et légumes. Un des hahnaf, na'am, on sort zakat. Lakin, un des malikiya, on sort zakat, un des shafi'i aussi, le hanabila aussi. Hein. Les trois autres écoles, ils disent, tout ce qui se met dans la main comme ça, qadar al-mud, c'est-à-dire le riz, Zbib, le qamh, le blé, voilà, le bourgoul, tout ça, tout ce qui se met dans la main comme ça, et qui est ce qu'on appelle une denrée non périssable, c'est-à-dire le blé, il ne périme pas, vous voyez, c'est pas comme les tomates, vous voyez, une denrée non périssable. Tout ce qui est comme ça, qui peut tenir, à tamr, qui peut tenir jusqu'à l'année prochaine, celui-là, je sors zakat dessus. Et dans zakat al-zuru', il y a deux taux, suivez bien, hein, il y a deux taux. Quels sont les taux flagriculture ? On avait dit, il y a 5% si moi je mets les moyens et 10% si je ne mets pas les moyens. 5%, c'est moi qui mets en place les moyens pour arroser mon champ. 5%. Et si moi je ne mets pas les moyens, je laisse la pluie, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait le haql, je sors combien ? 10%. Ce qui est compréhensible. Plus tu investis, moins tu sors zakat. Comprenez le mécanisme. Hein? Plus tu investis, moins tu sors zakat. Vous suivez les frères ? Ok. Maintenant, zakat, l'imam tu'ata, on l'avait dit la semaine dernière ou la semaine il y a deux semaines. On l'avait dit. À qui je donne zakat ? Combien de catégories ? 8. Famania. Je vous écoute. Namas sadaqatu. Le fuqara'i. Le masakin. العاملين عليها وفي الرقاب والغارمين لا والغارمين
والمؤلفه قلوبهم زيد والغارمين لا الغارمين قلناها وابن السبيل وفي سبيل الله ثمانيه اوكي فقراء مساكين عاملين عليها دونك regardez الفقراء والمساكين on avait donné la différence quelle est la différence entre le fakir et le miskin la différence entre le pauvre et l'indigent c'est quoi la différence le pauvre ce qui n'a rien barakallahu fik wal miskin ce qui l'a mais il n'arrive pas barakallahu fik el hach OK le pauvre c'est celui qui n'a rien ma andouch achat lila comme on dit la chatte lila ma andouch هذا فقير el miskin c'est celui qui a peut-être un salaire لكن لا يصل ما يلحقش مسكين هذا هو المسكين هل نعطيه الزكاة نعم نعطيه الزكاة اوكي لما الصدقات للفقراء والمساكين الزكاة لا تنقل الزكاة ولا ترانسفير با من بلاد لبلاد لا علاش تبدا بالفقراء تاع البلاد هنا عملك الزكاة عندها حكم يعني ساجاز ديغيغ الزكاة انا الجار ديالي يشوفني avec une belle voiture ويشوفني الله يبارك je remplis la hein باش ما يحقدش عليا je lui donne zakat شوفوا الحكمه لان الفقراء تاع الحي انت اللي تعرفهم c'est pour ça que quand vous à la mosquée alors je sais pas vous mais حنا à Aix en Provence le vendredi ou mashallah ou là des gens de non musulmans ils jouent ils donnent la main parce qu'à la belle les musulmans ils donnent des non-musulmans, ils jouent, ils donnent la main. On donne à ces gens-là, il faut qu'on fasse une enquête. Le faqir, le faqir, il ne demande pas aux gens avec insistance. Le faqir, toi tu sais que ta sœur, elle est pauvre. Tu sais que ton voisin, il sort d'une opération, ou là, il ne travaille pas. Toi, tu sais. Mais quelqu'un d'étranger, il ne sait pas. C'est pour ça que zakat, il faut qu'elle reste là, et qu'elle reste autour de toi. Okay. قلنا إنما الصدقة للفقراء والمساكين زيد والعاملين عليها. وش معنى العاملين عليها؟ إيه. العلماء يقول لك ماشي فقط ليجمع. Il faut une administration. Il faut une administration. Il faut une administration qui va gérer الزكاة. Une administration, ça ne veut pas dire collecter فقط. Non seulement tu collectes l'argent, mais tu collectes aussi les informations. Tu fais des enquêtes. Tu vas sur le terrain, tu vas chez les gens. Vous avez vu l'assistante sociale quand elle va chez les gens ? Eh bien, c'est exactement pareil. Et regardez l'islam, ayyuha al-ikhwa. Ces choses-là existent dans l'islam depuis 1400 ans. On fait une enquête. On va voir les gens qui sont pauvres. Et dans l'enquête, il y a des hommes et des femmes. Et les femmes, elles peuvent plus rentrer dans les foyers qu'un homme. C'est normal. Donc la femme, elle va voir la femme seule, avec la veuve ou les orphelins, elle va voir, elle va faire une enquête. Et savoir dans quel... Vous voyez ? Donc l'amilina aliyah, ce sont ces gens-là. Mais je ne sais pas les ijma. Parce que les ijma, bien sûr, vous savez, en France, on a deux organismes. Par exemple, la maladie. On a la sécurité sociale. La sécurité sociale, qu'est-ce qu'elle fait ? Tu as une carte de sécurité sociale qui te permet de te soigner. La sécurité sociale, elle paye l'hôpital quand toi, tu vas à l'hôpital. Mais il y a un organisme qui collecte l'argent de la sécurité sociale. Je connais où ? L'URSSAF, barakallahu fik. L'URSSAF, c'est l'union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales. Donc, quand quelqu'un est en entreprise, il paye l'URSSAF. Et il paye l'URSSAF, il paye quoi ? Il paye la sécurité sociale. Et en plus, ils ont des entreprises, tu payes l'URSSAF, et tu payes, et tu es en train de financer la sécurité sociale, et tu es en train de financer les allocations familiales. C'est ça l'URSSAF. Pour l'islam, c'est la même chose. La zakat, on va la collecter. Mais on va la collecter pour la donner aux pauvres. Mais pour la collecter et mettre les choses en place, il faut une administration. Il faut une administration qui va étudier le phénomène et qui va faire des enquêtes sur les gens pauvres pour savoir où est-ce qu'on va mettre cet argent. Oui, où est-ce qu'on va mettre cet argent? Le problème de zakat, ce n'est pas de la donner, c'est à qui la donner. Ok, c'est à qui la donner. Donc, on a dit, « El faqir andu haq fi mal al-ghani » Il dit l'ulama, dans n'importe quelle civilisation, « Ay hadara »
La tajid, fi ayi hadara, n'importe quelle civilisation, il n'y a pas quelque chose où le faqir il pense qu'il a un droit dans l'argent du pauvre, dans l'argent du riche. Okay. Bref, l'islam. Jamais on a pensé que le pauvre dans la société, il a un droit dans l'argent du riche. Jamais. Parce que zakat, comme on a dit là, il y a deux semaines, zakat, elle a deux sens. Souvenez-vous, le frère, il faut que ça rentre. Hein. Il faut que ça rentre, vraiment. Il faut que l'hadri billah al-ghaib. Il faut que ça rentre. Zakat, elle a deux sens. Ma'naïaï. Ma'naïaï ta zakka. Tahara, barakallahu fik. Ta tahara. Ouzid, zakal mal, ça veut dire quoi? Kbar, il s'est développé. Nama. Nama al-mal. Ça veut dire il s'est développé. Donc zakat, elle a deux sens. Tatahir, donc tu vas purifier ton argent de tout ce qui peut avoir touché ton argent, mon haram, là. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, tu vas avoir l'assurance que le mal, il va grandir. Ça, sois-en sûr. Mais le mal, il va grandir quand tu sors zakat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yuqsim, thalathan yuqsim, qasaman billah, wallahi, 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 ma naqasa malun min sadaq. Prophète, c'est ce qu'il dit. Trois fois, il jure, il dit, le mal, il ne diminue pas par la dépense, par sadaqa. Jamais. Jamais. Yurbillahu sadaqat. Yamhaqullahu riba, yurbis sadaqat. Comme ça, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc, on a dit, inna sadaqat, ou l'infuqara'i, masakin, ou l'amilina alayha, zid. Wa fil riqabi wal gharimin. La semaine dernière, ou la semaine devant, il y a deux semaines, on a expliqué une différence linguistique. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء وللمساكين وفي الرقاب وفي الغارمين علاش هنا يقول لي وهنا يقول في on avait expliqué si vous vous souvenez quand Allah سبحانه وتعالى parle des pauvres il dit la sadaqa elle est pour les pauvres et là il est dans pour للفقراء والمساكين et quand il parle de quand il parle des esclaves, ou là il parle Firriqab, ou là il parle de l'Gharimin, il dit Fil Gharimin, Fi. Hnali ou Hna Fi. Pourquoi? Vous vous souvenez? La Torah Mlim. Barakallah Fi. Shukran. Merci. Comme dit le frère, quand quelqu'un est endetté, on ne donne pas à celui qui a la... on paye sa dette. Parce que si tu ne payes pas sa dette, si tu lui donnes à lui, il peut utiliser cet argent ailleurs. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de voir où est-ce qu'elle est la dette. Quand la banque, je ne sais pas moi, où est-ce qu'elle est la dette et que lui, il croule sous les dettes. Ou le wahad, il lui a prêté de l'argent, il n'arrive pas à se donner de dette. On va aller à un flan, on va aller à un flan. Il y a un flan, c'est de l'argent avec dette. On a payé pour toi le... Et pareil, Firriqab, pour racheter ceux qui sont en esclavage, à l'époque, bien sûr, même si aujourd'hui, il y a de l'esclavage, hein, bon... on rachète la liberté des gens. Quand on rachète la liberté, on ne leur donne pas à eux. On rachète la liberté, on ne leur donne pas à eux. On donne à celui qui possède cette personne-là. Racheter les esclaves, aujourd'hui, vous allez me dire, ça n'existe plus. Ben si, ça existe encore. Racheter les prisonniers de guerre. Je vous donne un exemple, par exemple. Vous avez des prisonniers politiques en Palestine. On peut racheter leur liberté. Mais à moins les zakat. Ils sont prisonniers politiques. Notre fin, hein, ceux qu'ils ont emprisonnés, on leur donne de l'argent pour qu'ils retrouvent leur liberté. Donc, regardez, ma qasid zakat. Qulna inna as-sadaqat lil fuqara'i. مساكين العاملين عليها في الرقاب والغارمين زيد والمؤلفة قلوبهم شكون هم المؤلفة قلوبهم اللي عندهم محتاج اللي محتاج هو لا مؤلفة قلوبهم شهدوا جدد في الإسلام بارك الله فيك جدد في الإسلام ولا إنسان متعاطف مع الإسلام on peut acheter même des alliances. Vous avez vu comment aujourd'hui les gens attaquent l'islam. On peut acheter des alliances, c'est-à-dire on peut donner des zakat à des gens pour qu'ils ne nous attaquent pas. C'est ça.
pas seulement le mu'allafa, je dis que l'islam, n'a'am, n'a'atihum zakat. L'insan muta'atif, habit khul l'islam, kada, n'a'atihum zakat. Ok, n'a'atihum zakat. Hatta anna Umar, mana'a al-mu'allafati qulubuhum, l'imman l'islam balaga dhirwata. Quand l'islam s'est bien répandu dans la presqu'île arabique, quand l'islam s'est développé dans tout le pourtour méditerranéen, Omar al-Khattab a arrêté de donner zakat al-mu'allafati qulubuhum, à ceux dont les cœurs sont enganés. والمؤلفات قلوبهم زيد في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين قلنا في الرقاب والغارمين on l'a expliqué الغارم alors le gharim c'est qui le gharim lourdement endetté quelqu'un qui est lourdement endetté celui-là on lui donne zakat ok lourdement endetté attendez qu'est-ce que ça veut dire lourdement endetté quelqu'un qui a une dette de jeu on lui donne zakat ou pas. Ok. Regardez. Eh oui, mais il a une dette de jeu. Oui, mais bon. Non, arrêtez. Oui, il ne faut pas jouer. Quand même. Oui, bon. Quand même. Je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est haram. Ok. Donc sa dette de jeu, on lui donne de l'argent pour qu'il a joué encore. Eh ben alors, comment ? Alors ça, on va le mettre sous tutelle, c'est autre chose. On va le mettre sous tutelle, c'est-à-dire que la personne qui a une dette de jeu et qui est tout le temps dans les jeux, eh ben on va le mettre sous tutelle, c'est plus lui qui gère. Non, on va le mettre sous tutelle, c'est-à-dire on va mettre quelqu'un qui va lui gérer son argent. C'est ça la tutelle, hein ? C'est-à-dire qu'il est plus apte à gérer son argent, puisqu'il est trop dépensé, il est prodigue. Donc il est plus apte, on va le mettre sous tutelle. Vous savez, l'islam, il a géré tous ces problèmes-là. Hein. Le problème de la société et le jeu, quand Allah subhanahu wa ta'ala haram al-qimar, c'est pas pour rien. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui passent à la télé, tout ça, les grandes stars, je sais pas quoi, ils se sont ruinés au jeu. Ils sont allés, vous savez que, bon, je sais pas vous, mais si vous allez juste à Cannes, là, ou à Nice, pour entrer dans les casinos de jeu, il vous faut une pièce d'identité. Officiel, hein, c'est-à-dire pièce d'identité donnée par la préfecture. Par exemple, une carte d'étudiant, ça passe pas. Hein. Pièce d'identité donnée par la préfecture. Vous la présentez pour rentrer au casino. Qu'est-ce qu'il vérifie ? Il vérifie si vous n'êtes pas fiché par la préfecture dans les établissements de jeu. Imaginez. Hein. C'est-à-dire que les gens qui ont trop joué, qui ont perdu de l'argent, tout ça, à un moment donné, sont fichés par la préfecture, ils ne peuvent pas rentrer dans les casinos. Il y a des gens qui ont tellement perdu d'argent, qu'ils demandent eux-mêmes d'être fichés. Pour être interdits. Ils demandent eux-mêmes. Fichez-moi comme ça, parce que comme on dit, c'est une maladie. Hein, il faut qu'il aille dépenser. C'est une maladie, vraiment. Les gens se sont ruinés. Il y a un grand acteur, pour ne pas le citer, Omar Sharif, il est mort très endetté. Pourquoi ? Les jeux. Et pourtant, il avait de l'argent. Hein. Bon. Donc, vous voyez, l'insan, al-rukhsa, l'etajuzu ma'al haram. Il faut qu'on comprenne ça aussi, ayyou al-ikhwa. Où est-ce qu'on a dit ce qu'il y a ? L'insan, il s'affir pour prendre du bon temps. Il dit qu'il y a un s'affir, et il y a un s'affir de Ramadan. Il dit qu'il y a un s'affir, il dit qu'il n'y a pas de rukhsa. Il n'y a pas de rukhsa. On n'y accorde pas. Comprenez ? Tu vas faire un voyage, tu vas voir ta mère, tu vas voir ta famille. Hada andur rukhsa. L'insan qui le hajj Ramadan, il va à Paris, il va à Londres, je ne sais pas où, pour fuir le Ramadan, là. Comprenez, hein ? Autre chose, comment dire ? On dit, il y a une règle juridique qui dit, la règle juridique, qaïda fiqhiyat qul. Les choses acquises par le haram ne donnent pas ce qu'ils sont censés produire. J'explique. Insan, le maïsraq haja, quand je vole une voiture, ok, et je vais voir Akhi Hussein, j'ai une voiture, je te la vends. Après, il dit, ok, je l'achète. Je lui donne, je vais lui voir les papiers, et après, il débrouille-toi avec les papiers. Est-ce qu'elle devient sa propriété ? Non, jamais. Je vole un portable. Non, même si c'est pas. Même si c'est pas. Je te donne un exemple. Je vole un portable. Ok ? Je te le vends. Ok ? Je te le vends. Le portable. Tu l'achètes.
Puis la police, elle fait son enquête, elle le retrouve chez toi. Elle te le saisit ou pas ? Elle te saisit. Même si tu ne sais pas. Ça veut dire quoi ? Le fait que le portable soit volé ne te donne pas la propriété. Le vol ne produit pas la propriété. Shay al-haram, la yu'tika al-milkiyya. Tu suis ? D'accord. Suivez bien. Donc l'enfant adultère, la yarithu min abih. Quelqu'un qui est né d'un acte haram, d'un adultère, il n'hérite pas de son père. Pourquoi ? Il est né fil haram. Donc il est né par un acte interdit. Donc il ne produit pas les effets s'il est, comme s'il était né par un acte halal. Là, aujourd'hui, les gens ils vivent en couple sans être mariés. L'enfant qui vit de ce couple qui n'est pas marié, c'est un enfant adultérin. Si on implique l'islam, il ne peut pas hériter de son père, il héritera de sa mère. Voilà la règle de l'islam. Et si l'enfant se convertit ? Non, mais attends. La conversion, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, des gens étaient mariés fil jahiliya, ils n'aura pas fait de refaire l'acte. Leurs enfants sont halal parce qu'ils étaient mariés fil jahiliya, ils sont rentrés dans l'islam, il y a pas de... l'acte n'est pas invalide. C'est pas parce que l'acte a été fait en dehors de l'islam que l'acte est invalide. Tu sais que si tu vas juste à la mairie, bon, ça choque les gens quand je le dis, mais ton acte, si tu vas juste à la mairie, et la mairie, il y a le consentement entre toi et ton épouse, il y a le wali, tu lui as donné son sadaq, hein, tu lui as donné son sadaq, et il y a l'acceptation, l'ijab ou le kaboul, c'est-à-dire que tu l'as demandé en mariage, elle a dit oui, je me marie avec toi, ton mariage est valide. Hein. Tu n'as pas besoin d'imam. Hein. Tu n'as pas besoin de fête. Hein. Et les gens, ils n'arrivent pas à rentrer ça dans leur tête. Oui, mais c'est ça les règles. La règle, ben, moi je... Ok ? Bon, c'est... moi je vous dis... Pardon ? Eh bien, son mariage n'est pas complet. Il faut tawthiq. Tawthiq al-mahd. Là, je suis Zawaj al-Mutha, quand même. Là, la Zawaj al-Mutha, c'est Zawaj al-Ajal. Donc, je vais expliquer. Les Zawaj al-Fatha, il faut yawthiq al-mariage. Il faut que le mariage soit, consigné, voilà, à la mairie ou chez le notaire. Si par exemple la mairie te dit moi je te marie pas, tu es déjà marié ou là le divorce est mal prononcé, tu vas chez le notaire. Mais il faut que non tu peux non pourquoi tu as compris ? Si il faut tout ça. Non, comme vous dites, si la mairie dit je vous marie pas. Oui. Par quelle preuve ? Comment ça par quelle preuve ? La mairie si elle a pas de papiers, elle peut pas dire ça. Non, par exemple la mairie te dit tu es déjà marié. Et par exemple, tu as demandé le divorce et le divorce n'est pas prononcé. La mairie ne te marie pas, par exemple. Okay? Donc, il faut tout faire. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles chez le notaire, il faut que tu écrives. Pourquoi ? Parce que l'acte civil, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va protéger les droits. Absolument. Le droit pour la femme, le droit pour l'homme aussi, tu sais. Ça protège les droits de la femme et les droits de l'homme, parce qu'il y a des femmes qui s'en vont. Elle est enceinte, elle s'en va. Ça, ce que je vous parle, je l'ai vu, hein, je l'ai vécu, monsieur, on m'a raconté. Hein. Je l'ai vécu, le gars, il me dit, tu me fais le halal, j'ai dit, tu fais la mairie, il me dit non. Je dis, bah alors, je ne te fais pas le halal. Parce que, eh ben, il s'est marié quand même, il a trouvé un imam, il lui a fait le halal. Et ben, 3 mois après, la femme était enceinte, elle est partie. Et elle a dit, voilà, tu ne vois pas l'enfant. Et il vient à la mosquée en pleurant. J'ai dit, mes frères, je t'avais dit, si les gens avaient fait l'acte civil avant, ni la femme, elle peut partir, ni l'homme, il peut partir. Parce que tu pars, il y a ce qu'on appelle la loi derrière. Et oui, Allah a yaza'u bi sultan, mais il a yaza'u bi al-Qur'an. Les gens, ils ont plus peur de la force de la loi que de la force d'Allah. C'est la réalité, ça. Ok ? Bon, donc il faut qu'on fasse les choses correctement. On revient à Zakat. Tout à l'heure, oui. C'est juste pour l'enfant qui n'est pas mis. Il est pour rien, l'enfant. Oui, mais c'est pas moi qui décide les lois, frère. Oui, il hérite de sa mère. Il hérite de sa mère. Il hérite de sa mère. Et ça, alors attendez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez, sur l'Isra, quand il parle de zina, il dit, la taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. L'ayah juste après cette ayah, elle dit quoi ? Wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. C'est ça. Donc il parle de l'adultère. Il parle, wa la taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. Juste après, il dit, ne tuez pas l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Regardez bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fornication, elle a des conséquences sur long terme. Tu fais un acte et les conséquences sur combien ?
sur le long terme. Et tu vas avoir un enfant, et l'enfant, une fois qu'il y a l'enfant, c'est catastrophe. Alors, je ne sais pas vous, moi je vais dans les familles, hein, quand la fille elle est enceinte de l'un, c'est fdeha. Fdeha. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va commettre un acte qui est illicite, on va descendre l'enfant. Et ça, c'est haram. Ça, c'est ghurra. Vous savez que ça veut dire ghurra? On va payer une amende. L'amende, elle équivaut à peu près à 7000 euros. Hein. Mais ça, les gens ne savent pas. Donc, ils vont descendre l'enfant. Ah oui, celle qui fait un avortement, elle doit payer une kafara de à peu près. Hein. Mais, donc, regardez, hein, c'est... Voilà, tkharabouzina. C'est quelque chose de très grave. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il interdit des choses, c'est pas... Et les gens, ils te disent, oui, l'islam, c'est... Là. L'islam, il protège la famille, protège les honneurs. Protège la famille, protège les honneurs. Je vais vous dire quelque chose, et après, vous allez me dire. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, « وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَحَدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدًا » C'est ça. Hein? Le fornicatrice et le fornicateur, vous devez les fouetter combien? 100 coups de fouet. Ça. Pour les fouetter 100 coups de fouet, qu'est-ce qu'il faut? Combien shuhada? 4, 4 shuhada. 4 shuhada qui ont vu l'acte. L'acte, hein, attention, 4 shuhada qui ont vu l'acte et qui témoignent en même temps. Mais si il y en a un qui témoigne maintenant et 2 heures après, il y a quelqu'un qui vient, ou là, 2 mois après, il y a quelqu'un qui vient. Non. Les 4 qui ont vu l'acte, ils vont témoigner en même temps. Maintenant, il y en a 3, il n'y en a pas 4. Qu'est-ce qu'on fait? On applique ou on n'applique pas? On n'applique pas? Vous êtes tous sûrs? On applique ou on n'applique pas? On l'applique? Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il dit 4. Et s'il y en a 3? Comment? Il en manque un. On n'applique pas. Bon, écoutez bien. S'il y en a 3, c'est les 3 qui vont recevoir les coups de fouet. Écoutez le Coran. Hein. Vous savez pourquoi? Il y en a 3 qui ont vu l'acte, qui ont vu l'acte de fornication. Et ils viennent, ils témoignent devant le juge, ils disent, nous on a vu. Vous êtes combien? 3. Il est où le 4e? Makanj. Vous allez subir les coups de fouet. Et ensuite, attendez, non seulement ils subissent ces coups de fouet, wala taqbalu lahum shahadatan abada. On n'accepte pas leur témoignage. Alors qu'ils ont vu. Ils ne mentent pas. Pourquoi ça? Vous savez pourquoi? L'islam, maqasid al-sharia, la protection de l'honneur et la protection de la famille. Pour que toi, quand tu es seul ou vous êtes deux, vous avez vu un acte, vous taisez. Vous taisez, vous dites rien. Vous protégez l'honneur des gens, si tu as vu. Hein. Tu te tais. Allah subhanahu wa ta'ala ne te permet pas de parler sur les gens comme ça. Si vous voyez la campagne de calomnie sur des gens, hein, on dit, il y a une, elle a dit, ouais, il m'a violé, l'autre a dit, ouais, moi aussi, bon. Tu apportes la preuve, tu n'as pas la preuve. C'est quoi ça? Tu ne peux pas parler comme ça sur les gens. Tu ne peux pas. L'islam, tu ne peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voyez 2 personnes faire la fornication, 4 témoins, ils viennent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un couple, il fait ça devant 4 témoins? Ça veut dire que ce couple-là, il ne considère pas la société. Mais Hachem, je barak Allah, fik. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceux qui veulent que les turpitudes se répandent dans la société, et bien celui-là, أَحْكَمَ عَلَيْدُّ. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas qu'on répande les turpitudes. Mais le gars qui va faire la fornication chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est مُطَّلَ عَلَيْهِ, il le voit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَجُسَّسُوا. Tu ne vas pas te regarder par la serrure, savoir ce qu'ils font chez eux, les gens. Non. Vous avez compris? Les gens ils te disent, ouais, vous, l'islam. Non, l'islam, il protège l'honneur. L'islam, il protège la famille. Le problème, ayyuha l'ikhwa, c'est que nous, on n'a pas compris notre islam. Et du coup, on le transfère mal aux non-musulmans. Et les non-musulmans, ils te regardent et te disent, mais c'est quoi cet islam qui fouette les gens? Ben, nous, on fouette personne. Comprenez? Nous, on fouette personne. Nous, on protège l'arabe. On ne peut pas parler sur les gens comme on le fait aujourd'hui. Vous avez vu, les paparazzi, je ne sais pas quoi, ils filment les gens et tout ça. Ils n'ont pas le droit à faire l'islam. L'islam, ceux qui font ça, s'en fouettent. Mais les gens, ils font leur beurre sur ça. Regardez comment l'islam, il cadenasse, il régule les choses. Mais, bon, on ne vous parle pas de ça, hein. On vous parle, vous... Et nous, quand on lit l'aïa, même quand on lit l'aïa, on ne la comprend pas. Parce qu'on ne cherche pas, parce qu'on n'essaie pas de comprendre. Et c'est pour ça qu'on fait des cours comme ça, il y a les fois. Hein. Ok.
Alhamdulillah, non. On revient à notre zakat. Encore cette zakat, hein? D'accord. On est parti, vous savez, tout ça, c'était sur la dette de jeu. Oui. Anijaïk, le frère. Zakat. L'ard, on a un qu'il. Mais il y a 5% si tu as mis les moyens et 10% si tu n'as pas mis les moyens. Ah, tu as une terre, c'est ça? Ah, ça dépend ce que tu fais avec. Là, ça n'a pas l'ard, mais qu'est-ce que tu as une terre que tu ne cultives pas. Là, tu as une terre que tu ne cultives pas. Il l'a, il a adjarté à Mathara. Si tu vas la louer, et si tu la loues, eh ben, tu vas sortir zakat sur le revenu de cette terre. C'est clair? Ok. Le frère, il a parlé de compte courant. Le compte courant, il intervient dans le calcul de zakat. Je vous donne un exemple. J'ai un compte épargne sur lequel j'ai 5000 euros. J'ai un peu d'or. J'ai 100 grammes d'or. Et j'ai un compte courant sur lequel j'ai, je sais pas moi, 800 000 euros. Ok? Le jour où je dois calculer zakat, je prends les 5000, je prends l'or et les 800 euros. Et j'enlève ce que je dois payer. C'est-à-dire, j'ai 800 euros qui me restent sur le compte courant, mais je dois payer le loyer, l'électricité, je ne sais pas quoi. Donc tout ça, je l'enlève. Et je regarde ce qui me reste. Dans le calcul, hein. Tu me suis? Ok, je compte pas. Le compte courant, il tourne. Donc normalement, il n'atteint pas le Nessab, puisqu'il tourne tout le temps. Il y a de l'argent qui rentre, qui sort, l'argent qui rentre, qui sort. C'est comme ça. Ok, donc le jour où tu calcules les zakat, tu prends ce que tu as de côté et tu intègres ce que tu as sur le compte courant. C'est clair? C'est bon, les frères? C'est bon? Zakat, urud tijara. Quelqu'un qui a un magasin, comment il sort sa zakat? Si je commence l'activité, regardez, je commence l'activité le 1er janvier 2017. Je vais faire un bilan le 1er janvier 2018. Ok? Je vais faire un bilan. Et dans le bilan, si vous avez un bilan comptable, bon, j'explique globalement. Ceux qui savent ce que c'est la comptabilité, ceux qui ont fait un peu de comptabilité, je prends le compte de résultat. Et sur le compte de résultat, je regarde. Si j'ai dépassé le nisab, je sors 2,5%. Je n'ai pas dépassé le nisab, je ne sors rien. Pour faciliter, pour ceux qui n'ont pas de notion de comptabilité. Comment je calcule ma zakat? J'ai un magasin. Le 31 décembre, je vais faire les stocks. Je calcule ce qui me reste comme stock. Imaginez, par exemple, je suis un vendeur de chaussures. Je dis n'importe quoi. Vendeur de chaussures. Ou là, de voitures. OK? J'ai des chaussures en stock. Les chaussures que j'ai en stock, comment je calcule le stock? Au prix de vente ou au prix d'achat? Prix d'achat, barakallahu fik. Par exemple, j'ai acheté les chaussures à 10 euros, je les vends 20 euros. Donc, je vais calculer combien j'ai de chaussures en stock. OK? À 10 euros, barakallahu fik. Ça, c'est de l'argent. Z, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute les liquidités. Le flux, c'est celui-là. Le flux, c'est l'indi, la caisse. Ok. Je rajoute ce que j'ai en banque. Tu vas me les frères. Mais c'est le bénéfice. Maintenant, j'ai le bénéfice. Voilà, attendez. Écoutez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les stocks, Z. Les liquidités, Z. La banque, très bien. Qu'est-ce qu'on enlève? Les dettes. Là, un commerçant a toujours des dettes. Ok, le fournisseur, il lui a donné de la marchandise, mais il ne l'a pas payé encore. Il enlève les dettes chez le fournisseur. Ou chez Z. Tu rajoutes quoi? Les créances. Je les créances. C'est quoi les créances? C'est les clients qui ne m'ont pas payé encore. Donc on a dit les stocks, les liquidités, la banque, Z. Les créances, moins les dettes. Je sors un chiffre. Avec le chiffre, balar al-nisab ou la lamib lor al-nisab. Il a avec le chiffre, Balar al-Nisab, il dépasse le Nisab, il dépasse ce qu'on a dit tout à l'heure, de 1950, de 3000 euros, je sors zakat. Il est moins de 3000 euros, je ne sors pas zakat. C'est clair? Parce que je sais qu'il y a des commerçants avec nous, hein, il y a des gens qui ont des magasins ou là, voilà. C'est clair? Urud Tijara, c'est comme ça. Maintenant, d'autres questions. Les questions, on les a vues la semaine dernière. On est en train juste de faire des révisions. Est-ce que je peux donner zakat à ma mère? Non. Alesh, pourquoi? Barakallahu fik. Et à mon père? Comment? Ante wa maluka li abik, barakallahu fik. Et à mon fils?
Pourquoi? Moi, j'ai balayé une nafaka. Non. Et à mon épouse? Pareil que la mère? Non, pas pareil que la mère. Je vais te donner pourquoi. Moi, j'ai une nafaka. À la zoujti. D'accord. Attendez maintenant. Attendez maintenant. Maintenant, zoujati, elle est riche. Ma femme, elle est riche. Et moi, je suis pauvre. Est-ce qu'elle peut me donner zakat? Hein? La coquille ulama. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Comment? Pourquoi elle ne peut pas me donner? L'ulama, il dit qu'il ne peut pas donner zakat à son mari. Pourquoi il dit ça? Parce que cette zakat, elle va lui retourner. Comme moi, je dois dépenser pour elle. Nafaka, c'est Aliya. Donc, je dois dépenser pour la maison. Donc, la zakat, elle n'a pas bougé. Voilà, ça reste dans le foyer. Donc, ils disent non, zakat, il faut qu'elle la sorte ailleurs. Ou qu'il y a un ulama, on dit il y a un yajouz, tu as fait le zoujah. Bon, est-ce que je peux donner zakat à mon frère? Oui? Comment? Je peux lui donner zakat ou là? Tu as fait zakat ou là? Là, tu as fait zakat, tu as fait zakat. Là, tu n'es pas obligé de dépenser pour lui. Non, c'est pas comme la sœur. Non. Et la sœur, alors, est-ce que je peux lui donner zakat ou pas? Attends, attends. Hein? Où est-ce que tu as fait la zakat? Tu as fait qui est le hajj? Je connais le faqaliya. Alors, la sœur, il y a deux cas. Soit elle est mariée, soit elle n'est pas mariée. Si elle est mariée, je donne zakat, je peux lui donner zakat si elle est pauvre. Ok, ma soeur. Si elle est mariée, parce qu'elle est sous la responsabilité de son mari. Si elle n'est pas mariée et qu'elle est pauvre, je ne dois pas lui donner zakat. Vous savez pourquoi je ne dois pas lui donner zakat? Barakallahu fik. Zakat, si j'ai 10 000 euros, c'est combien ma zakat? 250 euros, barakallahu fik. Si j'ai 10 000 euros, je dois sortir les zakat, c'est 250 euros. Imaginez les frères, je vais donner 250 euros à ma sœur. Alors, barakallahu fik. Aïb. L'arrib. Pour un an, je lui donne 250 euros. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit non, tu l'entretiens. C'est que ta sœur, tu l'habilles, tu lui payes le loyer où elle habite avec toi, tu lui payes les habits, tu lui payes tout. Tu l'entretiens comme ton fils, si elle n'est pas mariée. Et c'est pas seulement ça, les frères. C'est pas seulement ça. Fait l'islam. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le frère, il prend plus que sa sœur. Fait l'islam, il y a l'ikhwa. Si j'entretiens pas ma sœur, le juge, il va ponctionner mon salaire pour me donner une partie, une pension alimentaire à ma sœur. Pareil pour la mère, pareil pour le père. Vous savez qu'en 2003, les frères, en 2003, il s'est passé quelque chose en France. Vous savez, vous vous souvenez ou pas? En 2003. Il n'y a pas que des jeunes là, ça va. En 2003, vous étiez là quand même. Hein? 2003, il y a eu la canicule en France. Vous vous souvenez? D'accord. Il y a eu des, voilà, il y a eu beaucoup de morts et des personnes âgées. Et on appelait les gens pour leur dire, ton père est en train d'agoniser, tu viens. Ils ont dit, non, je n'ai pas de problème. Deux. Mais la loi a changé. On s'est inspiré de quoi? De la législation musulmane. L'islam, si tu ne prends pas ton père en charge, le juge, il va ponctionner ton salaire pour lui donner une pension alimentaire. Aujourd'hui, en France, si tu ne prends pas ton père ou ta mère en charge, on te ponctionne ton salaire et on prend une pension alimentaire pour ton père. Minimum 150 euros. Et on s'est inspiré de quoi? De l'islam, il y a l'ikhwa. Mais tout à l'heure, on a parlé de zina, il y a l'ikhwa. Le problème, c'est que nous, on ne connaît pas. Vous savez, dans l'islam, il nous dit les dhakari mithl hadhihi al-unthayayn. Dans la fratrie, c'est-à-dire le frère. Pourquoi? Parce que le frère doit prendre en charge sa sœur. Alors, on a dit dans la fratrie. Je vous donne un exemple. Imaginez, et ça, c'est un exemple, une question que nous a posée la semaine dernière. Un frère, il dit, il y a une femme qui est décédée. Écoutez, regardez l'islam. Une femme qui est décédée. Cette femme qui est décédée, elle a laissé une fille et son époux.
Comment on partage son héritage? Une fille, les frères, et son époux. Comment on partage l'héritage? Vous savez? Non? L'époux de la fille? Non, l'époux de celle qui est décédée. Ce n'est pas un homme qui est mort, c'est une femme qui est morte. Elle avait une fortune, enfin une fortune, elle avait de l'argent, elle a laissé son époux et a laissé une fille. Comment on partage? L'époux, fil-islam, je parle, hein, il a deux parts par rapport à son épouse. Soit il y a des enfants, il prend le 1/4, soit il n'y a pas d'enfants, il prend la moitié, 50%. Vous suivez ça? Maintenant, la fille, l'épouse a dit, elle a une fille. Combien elle prend le bint? Non, elle ne prend pas un tiers. Elle prend un demi, 50%. Nos. Donc ça fait un demi pour la fille et 1/4 pour l'époux. Un demi pour la fille et 1/4 pour l'époux. Donc, un demi, ça fait 2/4. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? 2/4 plus 1/4, ça fait combien? 3/4. Il reste combien? 1/4. Et 1/4, on attend l'ab. Et dans la fille, elle a pris combien? 2/4. Et l'ab, il a pris 2/4. L'ab et la fille, ils ont pris la même chose. Et pourtant, l'ab, dhakar, huwa waliduha. Et il a pris la même chose que la fille. Fait l'islam. Donc, quand quelqu'un vous dit, je vous dis toujours, hein, et on va le faire, inshallah, un cours sur l'héritage, vous allez voir que l'islam, adil. Adil. Islam, quand il atteint le double au garçon par rapport à la fille, pas parce que le garçon c'est un garçon, là. Alors, les règles de l'héritage, et je schématise et je finis avec ça, les règles de l'héritage, c'est pas par rapport au sexe. C'est pas parce que tu es un garçon ou tu es une fille que tu touches plus ou moins, c'est pas ça. Il y a 3 règles d'héritage en islam. Et notez-les bien dans votre tête, les frères, j'aimerais bien. 3 règles. La première. Plus tu es proche du défunt, plus tu touches. القريب من المتوفى قد ما يكون القرابة مع المتوفى يعني مقربة الحصة تكون أكبر الأولى. Plus tu es proche du défunt, plus tu touches. La deuxième. Écoutez bien. Plus tu as une responsabilité financière, plus tu touches. Ça veut dire quoi une responsabilité financière? Plus tu dois dépenser pour le foyer, plus ta part est grande. Troisième chose. Nu'ti, regardez bien. Alladhi yastaqbilu al-hayat akthar min alladhi yastadbiruha. Celui qui a la vie devant lui, on lui donne plus qu'à celui qui a la vie derrière lui. Comprenez? Donc le jeune, il touche généralement plus que le plus vieux. Ça n'a rien à voir avec femme ou homme. Alors maintenant, écoutez bien. Bon, même si ça déplaît à certains, mais quelqu'un qui est décédé en islam, il a laissé des filles et des garçons. Il a laissé des dettes. Il n'a pas laissé d'héritage, il a laissé des dettes. Qui paye les dettes? Les garçons. Barakallahu fik. Ce n'est pas les filles qui payent les dettes. C'est les garçons. Ahlul usba. Ou ahlul usba, diyatul qatil. Diyatul qatil. Hada wa islamuna ayyuhal ikhwa. Lazem l'insan, il faut qu'on le qara chez l'islam. Ibn Taymiyyah كتب الفتاوي 22 tomes comme ça. Il a parlé de quoi? On ne parle pas de la salat. Le majmou' تاع النووي pareil, 22 tomes comme ça. De quoi il parle à l'intérieur? Il parle de toutes ces choses-là dont je suis en train de vous parler. OK? Diyatul qatil. Imaginez quelqu'un a tué quelqu'un par comment dire, par accident. D'accord? Par accident. Il doit payer, la famille doit payer la dette de sang, ce qu'on appelle la dette de sang. Bon, aujourd'hui, il y a des assurances tout ça, mais la dette de sang doit être payée par la famille. Qui doit payer la dette de sang? Les hommes, ahlul usba. Les hommes de la famille, pas les femmes. C'est pour ça que dans l'héritage, mais malgré tout ça, l'héritage dans la fratrie, hein, il y a 4 cas où l'homme il prend plus que la femme. 16 cas, la femme elle prend plus que l'homme. 16 cas. Et 10 cas où ils prennent la même chose. Regarde, 16 cas. Je peux vous les énumérer, mais bon, on n'a pas le temps. Mais on en parlera, Inch'Allah. Okay. On continuera sur Zakat, on en parlera Inch'Allah. Parce que Zakat, on n'a pas tout énuméré. Vous allez voir comment Zakat, elle gère l'administration. Comment Zakat, elle fait office de ce qu'on appelle une assurance catastrophe naturelle. Je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière. Combien nous a-t-il mis Zakat?
في الزكاة كي تقرا تدهش. لأن عمر الخطاب يقول إذا أعطيتم فاغنوا. Quand vous donnez, enrichissez. On t'a dit l'ouche de sauve. Attenons de t'ouvrir au minal fakr. C'est pour ça que zakat doit être géré par une entité, une administration. C'est-à-dire quand on donne zakat à quelqu'un, pour qu'il mette un projet en place, qu'il sort de la pauvreté, qu'il sort du chômage, qu'il sort de tout ça. Et que yusbiha huwa muzakkiyan. Que l'année prochaine, c'est pas lui qui donne zakat. Et lui, il va nous aider à donner zakat aux autres pauvres. Zakat, c'est un équilibre social. Et je vous ai dit, imaginez un bijoutier, il subit une catastrophe naturelle. Jazilzal ou la Zawba'a, lui a cassé le magasin. Et toute son marchandise est partie. Chiffre d'affaires, dit-elle, c'est combien ? Moi, j'ai déclaré l'amener fait aux impôts, j'ai un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Chanat et Zakat. Barakallahu fik. 100 000 euros. Alors, je vous rappelle, les frères. Hadi n'a-t-il 100 000 euros ? الفقهاء يتكلموا عليها وقتاش في القرن السابع اوكي في القرن السابع الميلاد عندنا في 7 سيكل كنت يافي با انكور شارلمان اون فرانس كنت ما سافيش باسكو سي لاسورانس ها انكور دون لي بي اوكسيدونتو اون بارلي دو ريباري لو بريجوديس دو كلكان كي يا سوبي ان كاتاستروف ناتوريل هذا هو الاسلام ايها الاخوه دونك سي فو فولي بارلي او نون مسلمان بارلي لور دو تو سا. Quand on vous dit l'islam, il a considéré les hommes, il a considéré les femmes, ce n'est pas des paroles. Hein. Si nous, on ne sait pas nos textes, le problème, il est en nous, les frères. Mais vraiment. Okay. Je vous rappelle juste que Ayat al-Miraf, Allah subhanahu wa ta'ala dit Faridatun min Allah. C'est ce que ça veut dire Farida. Ceci est un acte obligatoire. Wajib Farida. Apprenez le faraïd, c'est l'héritage. Parce que c'est la moitié de votre religion. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, les frères, mais en France, c'est pareil, hein, connaissent une famille ou deux qui se battent pour l'héritage ou l'aide. Je suis sûr. Et tout le monde en connaît. Pourquoi ? Parce qu'on n'applique pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et en France, c'est pareil, hein. Les gens ne se battent pour l'héritage. On arrive aux assassinats. Pourquoi ? Parce qu'on n'applique pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Parce qu'on n'a pas lu le Coran et on n'applique pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Quand on applique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tartah al-qulub, les gens sont apaisés. Parce qu'on lui dit, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné. Alors, sachez juste une chose, la personne qui est la plus concernée, considérée lors d'un défunt, quand quelqu'un y meurt, dont la part est réservée et qu'on ne touche pas à sa part jamais, par rapport à moi, par exemple, si demain je meurs, qui prend ma part ? Sa part, elle est fixe, elle est réservée et personne ne peut la toucher. La première personne, c'est qui ? Et par qui on commence ? C'est ma mère. C'est ma mère. L'islam considère beaucoup la maman. Dans d'autres législations, ici en France, on ne donne rien à la mère. Rien, zéro. Sachez-le, les frères. Ma mère, elle prend un tiers de ce que je laisse si je n'ai pas d'enfant. Et elle prend un sixième de ce que je laisse si j'ai des enfants. Elle prend un sixième même s'il a 90 ans. Elle prend un sixième. Ici, zéro, elle ne prend pas. Et si vous êtes converti, votre mère, elle n'est pas musulmane ? Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Si le frère, il dit, si je suis converti, et ma mère n'est pas musulmane. Ehlul millatayn mukhtalifatayn, quand on est de deux religions différentes, on ne s'hérite pas les uns des autres. Tout à l'heure, on a parlé de l'enfant adultérin qui n'hérite pas. Mais quand on est de religions différentes, si mon fils il devient chrétien, il n'hérite pas de moi. Et si moi je suis musulman et mon père est chrétien, mon père il n'hérite pas de moi et moi je n'hérite pas de lui. D'une manière légale réservataire, directe. Par contre, je peux lui faire un testament à mon père. Je peux lui faire une nosiya. Al-Abi, c'est lui qui m'a élevé. Même s'il a une autre religion, ma'alish, je peux lui faire un wasiya. Hadi qulu biha al-ulama, mish ana li nqul lkoum. Qara Ibn Taymiyyah, ce qu'il dit dans le wasiya, ajib, ajib, kalam ajib. Ibn Taymiyyah, il parle, le wasiya lil walidain, ghayr al-muslimin. Parce qu'il y en a qui te disent, ghayr al-muslim, ne touche pas. Non. L'insan la yanqati an walidayh. Wa in kana ghayr al-muslimin. Même s'ils sont non musulmans, mais je garde le lien de parenté avec mes parents.
Donc, ils n'héritent pas de moi, mais je peux faire un testament pour mon père et ma mère, à hauteur de ce que l'islam leur a donné. Vous voyez, les frères ? Voilà, on va s'arrêter là. Je ne vais pas trop tarder sur vous. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك